Ah, ça doit être la télé directement. Et donc la télécommande. Je crois que j'ai pas vu de télécommande au début. C'est là, ouais. Je sais pas si le son, si c'est... Ah, c'est ça, regarde. Si, c'est vrai. Ouais. Ah. Vous avez vu ? Ah. Paris, Londres, Barcelone et Cambridge. Votre mission, c'est recréer la banque entre tous. De A à Z. Hop, donc c'est donc du coup... Attends, je vais virer ça. Tu mets ici, derrière. Hein. Comment je vire ça, d'ailleurs hein. En fait, hop. Ok, ça marche. Et c'est, elle est où la petite vidéo? Il me manque la petite vidéo. Ouais, la petite vidéo, juste... C'est parti ou pas? Non, c'est pas... Vous êtes pas ici. Vous êtes pas celui-là. Mais c'est le petit player en bas. Qui trouve le... J'arrive. Ouais. Me voilà. La technologie. Il s'est fermé. Oups. Les aléas du direct. Les fameux aléas du direct. Mais non. Oula. Bon, au pire, c'est pas grave. Ouais. Hein. Lancez votre vidéo. Hop. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cette masterclass sur le risque de change, la digitalisation et donc de pouvoir exporter en toute liberté. Je vais d'abord me présenter. Je suis donc Jean-Claude de Souzain, je suis un responsable de la salle de marché BPI France. Nous avons comme activité principale la gestion du bilan de la banque, mais en activité annexe, nous avons effectivement la gestion d'une garantie de change qui est délivrée pour le compte de l'État. L'État nous donne un mandat très simple, c'est d'essayer de trouver des solutions quand il n'y a pas de solution de la part des banques commerciales ou d'autres acteurs. Le gros du produit, c'est un produit sur les appels d'offres. Donc on couvre le risque de change essentiellement quand il y a un aléa commercial. Donc ça peut être des appels d'offres, ça peut être effectivement des flux futurs qui ne sont pas certains. Ça peut être aussi effectivement sur des devises qui ne sont pas trop traitées par les contreparties bancaires, mais également sur des durées qui ne sont pas forcément traitées par les contreparties bancaires. Voilà pour notre mission. On a voulu monter cet atelier. Pourquoi ? Pour essayer de resensibiliser les gens au risque de change. Le risque de change, c'est quoi ? Je ne vais pas rentrer dans encore un discours en vous disant attention, l'euro dollar va monter ou l'euro sterling va monter. On va pas forcément parler de ça. Et d'ailleurs, c'est des choses qui n'engageraient que moi. Et j'ai quand même une chance sur deux d'avoir raison ou d'avoir tort. Mais par contre, il est sûr et certain qu'actuellement, on est face à de nombreux risques assez forts. Qui sont là et qui risquent de faire bouger les devises. Alors dans le sens, on ne sait pas vraiment, on ne le saura jamais vraiment, on le saura qu'ex post. Mais c'est vrai que on vient de traverser une crise assez forte. Vous êtes tous au courant que effectivement la plupart des pays ont dû mettre la main à la poche, et pour mettre la main à la poche, effectivement ils ont créé des déficits publics. Ces déficits publics dans la plupart des pays ont été rachetés par les banques centrales. Et donc on a transformé tout simplement un problème de déficit budgétaire en un problème monétaire. Donc voilà, le change, c'est un peu ça fait très longtemps que j'en fais, donc je suis peut-être pas aussi bien orienté, mais c'est un peu la reine des assets à mon sens. Et donc ça revient sur le devant de la scène, puisqu'effectivement, en plus de ça, donc de ces contre-pouvoirs entre les différents pays, il y a aussi effectivement, vous êtes au courant, des rapports un peu difficiles entre la Chine et les États-Unis, des élections aux États-Unis qui arrivent avec, on a pu le voir mardi soir, un débat qui est un peu houleux, un pays qui veut quitter l'Union européenne et qui risque d'effectivement mettre un peu le bordel, on va dire, dans tout ça. Et voilà, donc il y a effectivement une vraie nécessité de se couvrir contre le risque de change. Le risque de change, pour vous, que vous soyez importateur ou exportateur, c'est très important, puisque il est vrai que pour la plupart d'entre vous, le plus important, c'est de négocier des contrats, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Et par contre, c'est vrai qu'une réussite commerciale peut se transformer
en effectivement un échec financier si l'euro contre la devise à laquelle vous traitez va dans le mauvais sens. Donc ça, c'est à mon sens très très important. Donc c'était pour remettre un point sur le risque de change, et après je passerai la parole aux personnes qui sont gentiment intervenues. Pourquoi digitalisation ? C'est parce que nous, chez BPI France, effectivement, on était dans cette démarche de digitalisation qui est assez forte et qui est assez importante, tout simplement pour que vous ayez plus de transparence sur les prix, que vous puissiez prendre votre décision assez rapidement, en sachant qu'on sait bien que ce n'est pas le cœur de votre métier en général que de faire du change. Donc voilà, dans cette transformation digitale qu'on a eue, on a eu l'occasion effectivement de rencontrer un certain nombre de fintech, de nouveaux acteurs qui proposent, qui disruptent un petit peu le marché, un marché qui il faut se l'avouer était un peu un marché qui était assis sur des vieux principes avec des vieilles institutions qui ne le faisaient pas forcément évoluer. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, on a quelques intervenants qui sont là pour le faire bouger. Alors j'avais prévu au départ deux intervenants, et comme vous pouvez le voir, il n'y a malheureusement, mais heureusement, qu'un seul intervenant. Le premier intervenant était donc le CEO de la banque Néo, une néobanque, et donc il a quand même tenu à vous faire un petit message que je vais essayer de vous diffuser tout de suite. Hop. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Lécy, je suis le CEO, fondateur du groupe Néo. Nous sommes ravis. Je voulais remercier Arnaud Cosou, Jean-Claude Soussard, Mathieu Essoin pour l'organisation de cette table ronde autour de la gestion du risque de change. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Néo, puisqu'il impacte nos entreprises, petites ou grandes, dès qu'elles mettent un pied à l'international. Le groupe Néo, nous sommes une fintech fondée en 2017. Nous avons des antennes à Paris, Londres, Barcelone et Cambridge. Notre mission, c'est de recréer la banque d'entreprise de A à Z sous un format simple et digital. Nous accompagnons nos clients sur la gestion intégrale de leur risque de change, lors de la remise d'appels d'offres, de contrats de fourniture, de l'encaissement de commandes. Nous sommes présents sur à peu près 80 devis. Cette année, en réponse à la crise sanitaire Covid-19, nous avons décidé de lancer le compte multi devises Néo, un compte simple, résolument international, qui vous permet de payer et d'encaisser en 30 devises. Le plus simple, c'est sans doute à présent de vous montrer dans une petite vidéo, une minute pas plus, ce que nous faisons. Je vous souhaite surtout un très 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 bon deal, beaucoup de contacts et beaucoup de business. Merci. C'est fort. Voilà. Ensuite, j'ai l'honneur, effectivement, il n'y aura pas de présentation peut-être aussi visuelle, mais par contre, on aura la chance qu'il soit avec nous et vous pourrez effectivement lui poser des questions. Donc, je remercie William Gratt d'être parmi nous. Je vais te laisser te présenter, et comme on doit économiser le temps de passage des micros, je vais profiter aussi pour te poser la première question en même temps, si tu le permets. Je voulais juste savoir, en fait, quelle est la valeur ajoutée des fintechs en général, et de la vôtre en particulier, bien entendu, par rapport à un modèle plus traditionnel bancaire.
Bah merci, merci Jean-Claude pour l'introduction et bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais, hein, on va avoir une fin d'année très rythmée, je pense, sur le marché d'échange et je suis tout à fait aligné avec toi quand on ne sait pas dans quel sens ça va évoluer, mais le principal point sur lequel doit se concentrer l'entreprise aujourd'hui, c'est de sécuriser leur marge commerciale et sur cette fin d'année et aussi sur 2021, puisqu'on arrive sur les budgets notamment de 2021. Pour vous présenter IBAN First est un établissement qui est spécialisé dans la gestion de devises pour entreprises et nous mettons à disposition de nos clients une plateforme qui leur permet d'émettre et de recevoir des virements à l'international à travers des comptes en multi-devises que nous leur mettons à leur disposition. Aujourd'hui, on est capable de procurer jusqu'à 30 devises de comptes différents pour nos clients et les clients qui vont ouvrir des comptes chez IBAN First vont ouvrir un compte au nom de leur société avec un numéro de compte qui leur sera dédié et qui sera du coup unique. Donc c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant puisqu'aujourd'hui il existe d'autres acteurs sur le marché comme tu l'as cité, mais qui fonctionnent généralement avec ce qu'on appelle un pool à compte. Ça veut dire que tous les clients ont le même numéro de compte et il y a une référence client qui est à saisir dans la communication différemment qui permet d'identifier le compte. Et la particularité qu'on a justement, c'est de donner à nos clients des comptes qui fonctionnent comme des comptes bancaires traditionnels avec un réel IBAN dédié et à usage unique. La particularité de notre plateforme aujourd'hui, c'est qu'elle est directement connectée au marché du change et c'est ce qui permet à nos clients d'acheter des devises en temps réel et 24 heures sur 24, du coup 5 jours sur 7, puisque le marché du change, c'est un marché qui cote en continu sur les jours ouvrés et de leur procurer du coup ce cours de change qui reflète à un instant T le cours de change qui reflète pour eux le cours qui est le plus proche de l'arrêté du marché à l'instant T. En effet, aujourd'hui, au niveau des entreprises, les entreprises elles ont la possibilité de gérer ce type d'opération avec leur banque sur la partie achat de devises. Ce qui se passe, c'est que où elles ont le luxe d'avoir accès à une salle de marché, où on a un peu de réactivité, on a des cours de change qui peuvent être compétitifs, ou sinon elles fonctionnent avec une conversion automatique, exécutée à un fixing quotidien où le cours de change n'est pas du tout compétitif et où il y a également des commissions de change qui s'appliquent en plus. Et donc, pourquoi on a créé IBAN First, justement, c'est parce que on s'est rendu compte que effectuer des virements en devise ou réceptionner des virements en devise, c'était quelque chose qui était chronophage, pour un directeur financier ou un gérant d'entreprise, et au-delà de ça, qui était souvent assez onéreux et coûteux. Et au niveau de l'expérience utilisateur, on avait vraiment, je pense, tout à repenser, puisque même si on a accès à une salle de marché aujourd'hui, on fait l'achat de devises d'une part, et puis une fois qu'on est livré un jour ou deux plus tard par sa banque, on peut commencer à initier ses paiements. Et donc du coup, c'est là où on a une réelle valeur ajoutée pour nos clients, puisque on va leur permettre de à la fois combiner change et paiement et de pouvoir faire cette opération de manière totalement autonome, sans avoir à contacter d'une part la salle de marché pour exécuter l'achat de devises et d'autre part se connecter pour faire l'exécution du virement lié à cet achat de devises. Ou encore, hein, aujourd'hui, vous avez des sociétés qui ne peuvent pas faire de virements internationaux en ligne, qui doivent faire un fax à leur conseiller ou leur envoyer un mail. On entend encore des cas qui existent aujourd'hui, c'est remplir un bourdereau manuel au guichet de la banque. Donc voilà. Ouais, on est loin de la digitalisation et nous on veut apporter justement ce côté très très rapide, très fluide, très autonome pour être un petit peu dans l'air du temps, quoi. On voit qu'aujourd'hui tout va vite, tu prends le cas d'Amazon, t'achètes quelque chose, tu peux être livré une heure plus tard, ce qui est vraiment fou et on remarque qu'il y a parfois un décalage que les banques commencent à combler quand même parce qu'elles ont progressé, elles ont quand même amélioré leur offre depuis 2 ans, mais qui était assez archaïque et on a voulu vraiment ajouter ce côté tech et ce côté innovant pour nos clients. Et sur la partie expérience utilisateur, au-delà de cet atout qu'on a au niveau d'IBAN First, c'est qu'on a voulu aussi apporter de la transparence au niveau du type de cette opération, puisque lorsqu'on effectue un virement à l'international ou qu'on reçoit des fonds international, on peut être importateur ou exportateur, peu importe, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des frais de transaction qui
peuvent varier en fonction du montant reçu envoyé. Une commission de change pour service rendu par la banque, parce que voilà, elle m'a aidé à convertir mes euros dans une autre devise, donc du coup la banque doit se rémunérer, et un cours de change souvent pas compétitif, décorrélé du marché, où bah voilà, pour un achat de devise cible, ça va nous coûter beaucoup plus cher, parce que bah, la banque applique ce qu'on appelle un spread, donc un écart entre le cours client et le cours marché qui est très fort, et qui fait qu'on a une différence monétaire qui est forte. Et nous, du fait de la taille humaine d'Iban First et notre agilité, et d'avoir réussi à automatiser beaucoup d'opérations qui sont aujourd'hui faites manuellement par les banques, on a réussi à réduire tous ces coûts, à en faire bénéficier nos clients en leur apportant la transparence sur ce type d'opération. Et aujourd'hui, l'offre d'Iban First, elle est assez simple, puisque nos clients n'ont pas de frais d'ouverture de compte, de tenue de compte, il n'y a pas de commission de change sur ce type, sur les achats ou ventes de devises, pas de commission de mouvement aussi, qui sont des frais qu'on retrouve auprès des banques, ou pas de frais de gestion de compte, hein, qu'on a 5 ou 10 comptes en devises. Nos clients ont un coût forfaitaire par virement émis à l'international. C'est tout. Alors, j'anticipe peut-être des questions, c'est comment Iban First se rémunère. On n'est pas une association à but lucratif, forcément. Non, on se rémunère, la manière dont on se rémunère, là aussi c'est transparent, puisque nos clients, on se rémunère sur l'activité change. Ça veut dire que lorsque nos clients vont acheter des devises avec Iban First, on va tout simplement leur afficher un cours client qui va être légèrement dégradé du cours marché auquel nous on les achète sur le marché. Et c'est sur petit écart que nous on va se rémunérer et qu'on va se générer une commission. Et là aussi c'est transparent pour le client, parce que le client, au moment d'exécuter son opération, on va lui afficher le cours marché auquel nous on s'adosse et le cours client auquel il est exécuté. Et c'est $1 pour lui, puisque les flux monétaires qui vont passer et auxquels il va être exécuté de son côté, les écritures comptables qu'il va avoir, vont toutes être liées au cours client auquel il est exécuté, et non du coup à d'autres frais. Il n'y a pas avoir d'autres frais qui viennent se rajouter sur la partie conversion. Donc pour résumer, on a simplifié le parcours utilisateur. Il y a d'autres services qu'on procure, et je pense qu'on va en parler par la suite, mais c'est cette digitalisation, comme tu l'as dit, de deux services que propose la banque et la partie virement international et change, que nous on a réussi à conjuguer en une seule opération, sans limite pour traiter ce type d'opération. Ça veut dire que bah voilà, on a des directeurs financiers aujourd'hui, je prends le cas en province, qui arrivent tôt, qui sont là à 7h, 8h au bureau, et où les salles de marché ne sont pas ouvertes, mais eux ils veulent traiter, ils veulent faire l'opération le matin, et ils ont raison, parce que bah, ils veulent passer avant leur flux avant les cut-off, pour que ça arrive en termes de valeur jour J, ce qui est très, très important aujourd'hui, hein, pour les dates de valeur sur les virements. Et à contrario, je pense que bah, sur la région Île-de-France, on a peut-être des directeurs financiers qui restent un peu plus tard au bureau vers 19h, 20h, et où on a un marché qui continue de bouger, d'évoluer, et où il y a aussi des opportunités. Et là aussi, si on veut joindre sa salle de marché, bah, c'est fermé, et nos clients ont la main justement pour se positionner en ligne. Donc rendre une offre digitale, simple d'utilisation, autonome, et en plus de ça, transparente et plus économique pour nos clients. Moi, je vais rebondir rapidement sur ce que tu dis, parce que ça m'intéresse particulièrement. Une question tout de suite ? On va peut-être garder les questions pour la fin. Il y a des questions, fantastique, merci beaucoup de poser des questions. Donc je voulais rebondir effectivement sur ce que disait William, parce que nous on voit à peu près la même chose, et que voilà, on essaie de se digitaliser, on fait peut-être plus partie, on faisait partie, et on essaie de prendre le wagon effectivement des gens qui se digitalisent, qui changent, et effectivement on essaie d'améliorer ce fameux parcours client dont tu parlais, et nous actuellement on essaie de l'améliorer tout simplement en proposant effectivement d'avoir via nos sites des pricing en direct, d'avoir une possibilité de demander des garanties en ligne en direct également. Voilà, il y aura dans pas longtemps la possibilité de gérer nos garanties en direct également. Donc voilà, je pense que je partage complètement ton avis de voilà, il y a une première partie qui est l'automatisation qui permet de baisser les coûts, et après aussi le parcours client qui fait que c'était peut-être éventuellement effectivement un parcours du combattant avant pour pouvoir faire une bonne gestion du risque de change, et on essaie de tout se mettre en marche pour que ce soit le plus simple possible. Moi j'avais effectivement préparé des petites questions, vous vous doutez bien, parce que nous sommes effectivement orientés sur l'export, et peut-être que des gens qui suivent cette intervention se disent oui, mais bon, ça c'est peut-être pour des gens qui sont peut-être un peu plus dans certains secteurs ou un autre secteur, et je pense pas, et donc voilà, j'aimerais que tu me dises un petit peu quels sont les types d'entreprises auxquelles vous adressez
s'adresser. Déjà, quels sont vos clients et quels sont vos futurs clients et qu'est-ce que, voilà, un peu le stéréotype du client d'Even First. J'espère qu'il n'y en a pas forcément un, hein, que c'est assez large. Merci, merci pour ta question. Nos futurs clients, je pense qu'ils sont en train de nous écouter. Aujourd'hui, on s'adresse tant aux importateurs qu'aux exportateurs. Le constat qu'on fait quand même dans notre portefeuille client actuellement, c'est que la majeure partie de nos clients aujourd'hui sont importateurs et donc du coup ont besoin d'aller payer des fournisseurs en devise. Et ce qu'on remarque généralement, c'est que c'est plutôt le payeur qui supporte aujourd'hui le risque de change. Sauf sur des industries spécifiques, on en parlait avant ensemble, dont l'aéronautique, où tout se fait en dollars et où il y a de la réception de dollars. Au niveau des tailles des entreprises, notre offre et ce qu'on a envie aussi de donner auprès de nos clients, c'est on s'adresse à tout type de société. Donc ça va de la start-up aux sociétés cotées, aux fonds d'investissement. La start-up, on fut très proche de cet écosystème, puisqu'on a été nous aussi start-up, on est sur une plus grosse taille aujourd'hui et maintenant, mais on reste toujours très proche de cet écosystème parce que c'est important. C'est des secteurs qui sont très innovants et qui bougent très vite et qui sont à la recherche de solutions digitales comme nous, donc avec lesquelles on avance très vite. Mais entre ces deux mondes, on a aussi les PME, les ETI qui sont le cœur et le cible de nos clients aujourd'hui. Et on est capable d'adresser un même type de service à tout type de société, à une société qui va faire transiter 100 millions de flux de change par nous, à une société un peu plus petite qui va nous faire transiter 10 à 50 000 euros de change par nous. Elles vont avoir le même type de service, le même accompagnement et la même rapidité d'exécution. Le même prix, non, pas forcément, et on est transparent là-dessus parce que je pense que toute banque ou tout acteur financier n'a pas le même comportement lorsqu'il part avec une société qui va lui faire transiter 100 millions de flux par mois qu'avec une société qui va lui faire transiter que 50 000 euros. Nous aussi, on a des coûts fixe sur ce type d'opération, on doit s'y retrouver et donc du coup on a un pricing qui est peut-être un petit peu moins agressif, mais on cherche à nos clients de leur procurer le meilleur service possible et qui fasse du sens pour eux comme pour nous. Ça veut dire que il faut qu'il y ait un intérêt pour eux à travailler avec nous, donc il y a cet aspect de digitalisation, d'être autonome, mais il y a aussi cet aspect de prix quand même, et donc si on est trop cher pour eux, il y a aucun intérêt, donc on arrive toujours à trouver un compromis et à s'aligner entre ce qu'eux recherchent et notre ROI interne. Et au-delà de l'aspect économique et de la simplicité qu'on procure à nos clients sur l'utilisation, on a vraiment à cœur de mettre au cœur de l'expérience utilisateur l'innovation et la tech. Et pour citer quatre exemples rapidement, on a par exemple aujourd'hui nos clients ont la possibilité de créer jusqu'à des profils multi-utilisateurs sur leur compte. Ils peuvent créer, il y a un nombre illimité d'utilisateurs qui peuvent avoir accès au compte et avec des règles différentes. On a une possibilité d'avoir 15 types de profils différents qui peuvent se conjuguer avec des principes de multi-signature par virement si nécessaire. Donc là, on se rapproche vraiment de ce que recherche aussi des sociétés un peu plus structurées avec des règles spécifiques, des accès lecture seule, des montants capés, ensuite s'envoie à un autre collège pour signature. On est capable de gérer ça aujourd'hui. L'autre aspect qui est notre côté tech, je pense, et qui met un peu en avant ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsque nos clients créent un bénéficiaire, alors déjà c'est instantané, hein, il y a des banques aujourd'hui où il faut un jour ou deux avant que le bénéficiaire qui crée soit approuvé, ils ont la possibilité de rajouter une ou plusieurs adresses mail attachées à ce bénéficiaire et aux fournisseurs qui saisissent dans leur compte. Et l'avantage de ça, si vous voulez, c'est que à chaque fois qu'il y a un virement qui va être fait à destination de ce bénéficiaire, Even First va envoyer un mail automatiquement au bénéficiaire. Alors, le bénéficiaire du mail peut être un service comptabilité ou un contact dans une entreprise précise et va notifier du coup ce bénéficiaire que la société X leur a adressé un virement de X milliers de dollars. Et le côté un peu plus sur le côté innovation, tout ce qui est nouvelle régulation, on aime bien puisque du fait de notre taille, on arrive vite à les assimiler, à les digérer et à en faire bénéficier nos clients. Et je pense on a été le premier établissement de paiement à obtenir des agréments de AISP et PISP qui découlent de cette nouvelle régulation PSD2 qui est rentrée en vigueur il y a un an et demi.
qu'est-ce qu'elle dit concrètement, cette nouvelle directive? Elle dit que les coordonnées bancaires n'appartiennent plus, les informations bancaires n'appartiennent plus à la banque, mais à ses clients. Et donc, du coup, le client peut partager ses informations bancaires comme il le souhaite. Et la résultante de tout ça, c'est que nos clients aujourd'hui ont la possibilité de connecter leur compte bancaire externe à leur plateforme IBAN First. Aujourd'hui, ils sont en mesure de consulter leur compte, de consulter les mouvements, d'effectuer des extraits de compte. Donc, au lieu de se connecter à 4 comptes bancaires tous les matins pour voir où sont les soldes, ils arrivent à avoir une vue agrégée à un seul endroit où ils retrouvent cette même information. Et à terme, ils pourront même piloter leur compte bancaire externe depuis leur compte IBAN First. Ici, malheureusement, on reste dépendant de l'ouverture de l'API des banques qui freinent un petit peu sur ce point-là parce que elles savent que du coup, elles s'exposent à perdre des parts de marché. Mais on est dépendant de ça. Mais nous, on est prêts de notre côté. Et dès que les banques joueront un petit peu plus ce jeu, nos clients seront en mesure de piloter leur compte externe depuis leur plateforme IBAN First. Et le point où aujourd'hui on accompagne le plus nos clients et on a une réelle valeur ajoutée, t'en parlais en amont, c'est sur la partie de la politique du risque de change, puisque aujourd'hui gérer son risque de change, c'est pas forcément adressé à toutes les sociétés. Toutes les salles de marché ne veulent pas traiter toutes les sociétés parce qu'il faut les banques ont un KYC à faire sur la société, il y a des volumes qui les intéressent pas et ça se comprend parce qu'elles ont des coûts structures qui sont différents. Nous, on n'a pas de minimum, toute société qui travaille en devises étrangères et étrangères est de ce fait exposée au risque de change. Et nous, notre rôle, c'est d'arriver à les sensibiliser et à les accompagner dans cette stratégie. Donc aujourd'hui, on propose une multitude de produits chez IBAN First, des taux améliorés mais qui resteront fixes dans le temps, ou des taux un petit peu plus dégradés à la mise en place du contrat mais qui permettent d'accompagner une performance du marché à échéance s'il y a. Et c'est, je pense, c'est cette réelle sensibilisation et accompagnement qu'on a auprès de nos clients qui est vraiment apprécié, puisqu'on est en mesure de leur proposer un service sur mesure, puisque chaque société va se couvrir d'une manière différente en fonction de son court budget, en fonction de son échéance, en fonction de ses coûts de revient. Et tout ça, on essaye de mettre les choses à plat ensemble et de les sensibiliser à ce sujet, parce que, comme tu le disais en amont, il y a des sociétés qui ne se rendent pas compte de l'impact que peut avoir le marché du change sur leur activité. Et on l'a vu dernièrement, on est passé de 1,08 à quasiment 1,19, enfin quasiment 1,20 plutôt en l'espace de 4 mois. C'est une volatilité qui est très forte sur le marché du change. Normalement, c'est une évolution qui se fait sur une durée d'un an, un an et demi. Et donc du coup, il y en a qui se sont pris 10% dans la vue, et il y en a pour qui 10% ça représente la marge commerciale. Ils gagnent des super contrats, c'est top. Mais si c'est pour derrière que la marge revient à zéro parce que elle a été absorbée par cette volatilité du change, et c'est dommage. Donc il y en a qui ne s'en rendent pas compte parce que on a cette excitation, on a eu l'appel d'offres, on a eu le contrat, on va de l'avant. Il y a un oui mais qu'est-ce qui se passe si quand vous allez être réglé par votre client, et en fait le marché a évolué contre vous. Il y a l'autre scénario possible, et tu le disais, le marché peut évoluer dans le bon sens, et à ce moment-là, ça aurait été un super contrat, et le ROI sera top pour la société. Mais notre rôle, c'est de faire prendre conscience de ce risque auquel s'exposent nos clients aujourd'hui, de les accompagner, de leur faire des propositions. On ne fera jamais de conseils parce qu'on n'a pas le droit, et tu le disais, toi non plus, ça n'engagera toujours que nous-mêmes, et pas les institutions que nous représentons. Mais c'est vraiment important pour nous. Et c'est notre rôle, je pense, de leur dire faites attention au risque auquel vous vous exposez, et regardez ce qui existe pour monitorer ce risque et le limiter. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment. Je vois que le temps file, que j'ai encore quelques questions et que vous en avez peut-être d'autres. Je vais poser donc ma dernière question, qui était effectivement de savoir dans le... Qu'est-ce que tu penses que vont être, dans tout cet environnement-là, peut-être chez vous, peut-être chez d'autres, mais peut-être que tu vas pouvoir mieux parler effectivement de IBAN First que d'autres fintech, quelles sont à ton avis les évolutions à court terme, à moyen terme et à long terme qui peuvent effectivement encore bousculer ce monde du change, ce monde de la livraison de devises? Peut-être que vous avez des projets d'évolution, donc voilà, je vais te laisser répondre à cette question-là.
Merci pour cette ouverture. Alors pour parler un peu de notre projet, et je pense que je vais rejoindre aussi un mouvement qu'on a en ce moment et qui va changer un peu qui a déjà commencé d'ailleurs à changer l'univers des paiements internationaux. Nous, on veut vraiment que IBAN First devienne pour les PME, les ETI, un one-stop shop pour nos clients et leur faciliter au mieux ces flux de paiement en devises étrangères. On travaille sur, on a une équipe de product manager qui est avec laquelle on travaille énormément en étroite collaboration, qui participe aujourd'hui à des rendez-vous clients pour sonder les besoins et comprendre quels sont les besoins de l'entreprise, quels seront les besoins de demain, et dans un monde idéal, dessinez-nous votre compte et à quoi il ressemblerait et quelles informations vous pourriez y retrouver et quelles actions vous pourriez y faire. Donc on essaye de beaucoup faire évoluer notre offre, notre service, notre plateforme en fonction de ça, parce que l'idée viendra toujours du client et il faut qu'on réponde à un besoin, et ce besoin il faut le comprendre. Et aujourd'hui, le sales n'est pas le commercial qui est en contact avec le client, n'est pas le plus adepte à comprendre ce besoin, parce qu'il est très orienté business, forcément on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est son job. Et nous de notre côté, là on a beaucoup de demandes et de besoins, c'est d'une part sur de la facturage ou du suivi de facture, de la relance de facture. On a déjà commencé, c'est des projets qu'on a mis dans notre to-do list sur lesquels on travaille, qui sont un projet un peu plus long-termiste sur lequel on veut s'accentuer et aider les sociétés à enregistrer leurs factures sur leur compte IBAN First et qu'IBAN First en devise étrangère, idéalement en devise étrangère, exactement, et ensuite créer des rappels automatiques auprès des clients qui doivent les régler en devise et envoyer des mails automatiques auprès de leurs clients qui doivent les régler en devise en attachant la facture, et qu'ils reçoivent une notification dès que cette facture est reçue avec une proposition de conversion ou d'exécution d'un contrat de couverture ou autre, et tout ça pourquoi pas lié à de la facturage. Ce serait un monde idéal pour accompagner aujourd'hui les exportateurs. Je pense qu'on pourrait les aider et on pourrait les accompagner. Ce qui a été lancé il y a quelques années maintenant, c'était Swift GPI en pilote. Swift, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce que Swift, c'est un réseau de paiement international à travers lequel échangent les flux monétaires en devises à travers ces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer des devises à l'étranger et aussi d'en recevoir. En Europe, on a un réseau commun qui s'appelle le réseau SEPA et qui facilite la réception de devises, des euros plutôt. Et on va sortir là prochainement, d'ici la fin du mois, un payment tracker. L'idée de ce payment tracker, c'est que ce sera de pouvoir suivre de bout en bout et en temps réel l'acheminement du paiement. Comme on a sur Amazon, en fait, quand on a sur Amazon, on a un tracker. Votre commande a été effectuée, votre commande est encore en cours de livraison, votre commande a été livrée, et c'est la même chose et ça se passe de la même manière sur un virement. Aujourd'hui, c'est votre virement a été fait, votre virement vient de quitter IBAN First, votre paiement est en routing auprès de la banque intermédiaire, puisque je rappelle que sur les virements internationaux, il y a les présences des banques intermédiaires aujourd'hui. Quand on envoie des dollars en Chine, ça passe d'abord par les États-Unis. Ensuite, ça va en Chine, puisque chaque virement dans une devise doit repasser dans son pays local. Ensuite, votre paiement est arrivé à la banque du bénéficiaire et votre paiement est arrivé, a été crédité sur le compte de votre fournisseur. C'est une super innovation qu'a sorti Swift. Et nous, on va en faire bénéficier nos clients où ils seront en mesure de pouvoir suivre en temps réel où est leur virement. Et l'idée un peu plus poussée de ça, c'est que dans ces fameux mails de confirmation dont je te parlais tout à l'heure, qu'on envoie au bénéficiaire du virement, c'est que le bénéficiaire du virement ait un lien à cliquer qui puisse suivre aussi le virement qu'il doit recevoir. Et ça permet de voir aujourd'hui, d'apporter plus de transparence aussi sur ces flux monétaires internationaux, parce que parfois il y a des virements qui sont bloqués pour des raisons de compliance par des banques intermédiaires. Il arrive aussi parfois que le montant envoyé ne corresponde pas exactement au montant reçu, et puis on ne sait pas qui a pris de l'argent. Et puis ça va pouvoir aujourd'hui maintenant de monitorer le délai d'un paiement, savoir quelle banque met plus de temps qu'une autre, quelle banque prend plus de frais qu'une autre. Nous, de nous éduquer aussi, parce que ça va nous permettre de mieux choisir nos routes bancaires pour acheminer les virements de nos clients. Ça permettra aussi d'optimiser les coûts et de permettre à ces virements d'arriver beaucoup plus vite et de rentrer dans quasiment de l'instantanéité qu'on recherche aujourd'hui. Alors, nos clients en ont déjà un petit peu, puisque entre deux comptes IBAN First, aujourd'hui, les virements sont instantanés. Donc, on a aussi des clients qui ont une maison mère et qui ont des filiales à l'étranger et qui mettent en
place du cash settlement chez nous en devises étrangères pour respecter ces fameuses dates de valeur dont on parlait tout à l'heure. Et justement, ça fait deux innovations récentes qui sont sorties entre PSD2 et Swift GPI qui nous permettent de vite les digérer de notre côté et d'en faire bénéficier nos clients. Et c'est comme ça qu'on se distingue. Et quand je dis on, j'inclus toutes les fintechs et les boîtes digitales et forcément IBAN First, aujourd'hui des acteurs bancaires, c'est que les acteurs bancaires qui subissent comme nous ces nouvelles directives ne font pas autant bénéficier, et je pense qu'ils n'ont pas forcément dans leur roadmap de faire bénéficier leurs clients de cette transparence qu'on nous offre et qu'on nous apporte aujourd'hui et de ces nouvelles technologies. Donc et je pense que le monde du paiement va de plus en plus être révolutionné, va de plus en plus aller vite, et nous on voudra être le premier sur ce secteur-là pour en faire bénéficier nos clients et garder ce petit temps d'avance qu'on peut arriver à grâce à notre agilité et grâce à notre aspect tech, et ça se voit déjà parce qu'on rentre déjà aujourd'hui sur la zone SEPA, on est déjà sur de l'instant SEPA où un virement arrive en l'espace de quelques minutes. Donc c'est des choses très 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 fortes qui vont très vite et qui bougent, et si on se remet 10 ans de ça en arrière, un virement SEPA ça mettait 2-3 jours à arriver, on pouvait pas le tracer, et ça bouge de plus en plus vite, et je pense que c'est pas fini. Mais fantastique, merci beaucoup pour ces quelques explications. Donc si j'essaie de résumer, oui effectivement, c'est qu'est-ce qui fait la différence, c'est un parcours client, une technologie qui permet de baisser les coûts, c'est une réglementation qui aide effectivement à décloisonner un peu les banques qui étaient très très cloisonnées, ou en tout cas qui ne donnaient pas forcément leur information. Et donc voilà, nous chez BPI France Assurance Export, j'essaie juste de parler un tout petit peu de cette activité très très spécifique. On essaie aussi de faire bouger les lignes, comme je vous l'expliquais, avec des possibilités de gérer soi-même, de gérer soi-même aussi bien d'aller voir les prix soi-même, des prix en direct, que de prendre de faire des demandes de garantie en direct également. Je crois qu'il y avait une question, deux questions. Je vais les regarder. Le problème, c'est que je suis... Alors, la question, c'est quelle est la sécurité des transactions internationales dans votre plateforme et comment vous rémunérez ? Oubliez la seconde partie, elle est répondue. On va se poser la question de la sécurité sur des plateformes de type international. Ouais, alors je vais y répondre. Alors, juste pour rappeler comment on se rémunère, peut-être que ça n'a pas été très clair et je m'en excuse si c'est le cas. À nouveau, nous, lorsque nos clients achètent des devises à un instant T sur les marchés, on leur donne un accès directement au marché du change et on va les acheter en même temps lorsqu'ils nous le demandent, et on va leur revendre au même moment à un cours un petit peu dégradé. Et c'est cet écart entre le cours interbancaire, le cours marché et le cours client qu'on applique que IBAN First va se rémunérer. Et l'idée, c'est d'afficher des cours de change compétitifs et bien positionné, où le client permet d'avoir un cours de change mieux positionné qu'il aurait avec un acteur d'une part, et à nous de nous rémunérer d'autre part. Quelle sécurité il y a en passant par une plateforme, par des plateformes comme nous et comme IBAN First? Alors, on ne vient pas à une plateforme de paiement et on s'autoprogramme. Autre programme pas, pardon, établissement de paiement du jour au lendemain. On est régulé, on a un agrément, on est supervisé en France par la CPR, on est adossé aujourd'hui, on travaille avec des banques, on est adossé auprès des banques, les fonds de nos clients sont déposés de manière instantanée auprès d'une banque de dépôt qui nous sert à router nos paiements, donc qui nous sert aussi de banque intermédiaire sur nos flux internationaux, et la réglementation forte des établissements de paiement dit que d'une part il y a une distinction qui est faite entre les fonds propres d'IBAN First et les fonds de nos clients, donc il n'y a pas de risque de contrepartie qui peut porter sur IBAN First à l'encontre de nos clients, et tous les fonds de nos clients sont sur des comptes ségrégés et séquestres. Ça veut dire que on ne peut pas se servir d'un compte positif d'un client pour combler un compte négatif. Nos clients ne peuvent pas avoir de compte négatif, chacun supporte son propre risque de contrepartie, et tous les virements que nous faisons transitent par le réseau SWIFT, qui est le réseau de paiement le plus sûr aujourd'hui et qui doit être utilisé, je pense, dans 99% des cas aujourd'hui, parce qu'il existe quelques
quelques circuits annexes qui sont parfois utilisés. Donc aujourd'hui, la garantie qu'on a, c'est que, un, aujourd'hui, on est régulé, et on est régulé au même titre que n'importe quel établissement financier européen, d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, d'un point de vue compliance, à différents niveaux. On a des critères d'audit qui n'existent pas chez nous, parce que nous ne sommes pas un établissement de crédit, comme une banque actuellement. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les flux de nos clients. Deux, nos flux sont déposés auprès d'un établissement de crédit de premier rang. Tous les flux de nos clients transitent par un réseau de paiement qui est le réseau de paiement SWIFT, qui est un réseau de paiement international et qui est le plus commun utilisé aujourd'hui. On a une deuxième question qui s'apparente un peu à celle-ci et que je vais peut-être compléter. C'est donc la fraude chez Ban First. Est-ce que effectivement, tu en parlais tout à l'heure sur les KYC par rapport aux clients. J'imagine que vous devez faire des KYC également. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes. Voilà, comment ça se passe au niveau du KYC? Comment vous validez la compliance? Comment vous validez qu'effectivement, il n'y aurait pas de soucis de ce niveau-là? Alors sur la fraude, je vois deux aspects. Il y a l'ouverture de compte et il y a la fraude au paiement et au président aussi. Et je pense que c'est bien d'aborder les deux sujets. On doit suivre un KYC d'ouverture de compte qui est standardisé et qui nous est dicté par nos régulateurs et qui nous demande de faire différents checks. Donc on récolte bien sûr les statuts de la société, le CABIS, les pièces d'identité des bénéficiaires effectifs, des différents utilisateurs. Et on doit s'assurer que nos clients ont un compte ouvert auprès d'une banque de première catégorie, et un compte ne peut que être activé dès lors que l'on reçoit comme premier virement entrant un virement qui provient du nom de la société ouvert auprès d'une banque d'une première catégorie. Donc ça veut dire qu'on est sûr que la personne qui initie ce virement a bien la main sur un réel compte bancaire externe. Donc il y a différentes steps de KYC. Donc on n'ouvre pas un compte en nous disant bonjour, vous ouvrez un compte, signé en bas et c'est fait. Non, il y a des vrais checks, des réelles étapes où on demande sur des structures un peu complexes, on doit regarder la structure actionnariale de la société et on va remonter sur les maisons mères pour identifier vraiment l'ensemble des bénéficiaires effectifs qu'on doit identifier et pour s'assurer de la véracité des sociétés qu'on onboard aujourd'hui. Et la majeure partie des clients que l'on a sont plutôt de la chasse directe, donc sur la partie ouverture de compte frauduleux, on est très peu concerné aujourd'hui. La seconde fraude que j'identifie, c'est en effet la fraude au président. On anime des webinaires tout au long de l'année, dont un qui porte sur la fraude au paiement, comment s'en prémunir, quels sont les différents garde-fous à mettre en place en interne. Et par exemple, chez Ban First, de manière volontaire, nos clients ne peuvent pas modifier les coordonnées bancaires d'un bénéficiaire et d'un fournisseur. Si un bénéficiaire leur donne des nouvelles coordonnées bancaires, il faut le supprimer et le recréer. Et le réflexe pour nos clients, c'est qu'ils nous appellent, ouais bonjour, j'arrive pas à modifier le RIB, il a changé de numéro de compte, etc. Et j'arrive pas à le modifier, comment on fait? Parce qu'ils n'ont pas ce réflexe de le supprimer et de le rajouter. Et c'est un peu voulu parce que c'est un point de contact qu'on permet d'avoir avec leurs clients en disant, ok, vous avez eu des nouvelles coordonnées bancaires, vous avez bien vérifié que c'est l'adresse mail habituelle qui vous a envoyé ces coordonnées bancaires. Est-ce que vous avez eu un point de contact? Est-ce que vous avez eu un point visuel qui vous confirme que la personne qui vous envoie ces nouvelles informations est bien votre point de contact habituel, que ce ne s'agit pas d'une fraude? Et on essaye de leur donner une checklist avec différentes étapes pour qu'ils s'assurent de leur côté que la personne qui leur demande d'effectuer cette modification soit bien leur point de contact habituel et qu'il n'y ait pas eu de phishing ou de hacking de boîte mail. On a déjà réussi à éviter des cas comme ça. Il y a des cas malheureusement qu'on ne peut pas éviter, et une banque n'aurait pas pu non plus l'éviter malheureusement. Mais on essaie de sensibiliser nos clients à travers des webinaires, à travers des conseils pour gérer ce type de modification de bénéficiaires. Et au pire des cas, il y a aussi lorsqu'on fait un virement international, il y a toujours cette possibilité de rappeler le virement, de faire un recall en contactant du coup la banque bénéficiaire
partir en disant voilà, c'est un paiement frauduleux, merci de me rapatrier tout de suite les fonds et me les renvoyer. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne marche pas parce qu'il arrive aussi que le virement soit déjà crédité sur le compte du bénéficiaire et c'est un peu plus compliqué de récupérer les fonds. Et à ce moment-là, on essaie d'accompagner au mieux nos clients pour le faire. Donc voilà un petit peu ce qu'on met en place aujourd'hui. On essaye de les sensibiliser sur cet aspect paiement et en les aidant en mettant des petites checklists et des petits garde-fous pour limiter la fraude qu'ils pourraient subir. Okay. J'ai une dernière question, tu vas vraiment avoir pas beaucoup de temps pour y répondre malheureusement. Est-ce que l'obtention de l'agrément d'établissement de crédit est-il un objectif pour vous ? C'est une question, 1 minute 50, c'est une question intéressante. C'est pas dans notre tout doux de projet pour le moment. En tout cas, devenir établissement de crédit, je pense pas que ce soit notre première volonté, puisque ça implique beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles contraintes, beaucoup de nouveaux reporting et de nouvelles réglementations. Exactement. Donc aujourd'hui, on arrive à aller vite dans ce qu'on fait, on arrive à être agile et passer à une step supérieure nous amènerait dans une autre dimension. Et je pense qu'on pourrait en agilité et en rapidité. Donc c'est pas une volonté pour le moment. Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans on réfléchira autrement ? Peut-être. Il y a d'autres acteurs comme nous qui arrivent très bien à évoluer et nous aussi sans avoir cet accord aujourd'hui. Le seul frein qu'on a, c'est que bah oui, on peut pas faire de financement et de crédit. Pour le moment, on ne souhaite pas forcément se positionner sur ce secteur-là, même si on arrive à faire ce qu'on appelle du financement de facture pour nos clients qui sont dans des montants limités et des dates et des périodes limitées. Mais à court terme, en tout cas, devenir un établissement de crédit n'est pas une stratégie d'Iban First. Bah, écoute, je te remercie Jean-Claude, on n'a plus de questions. Merci pour ton temps et nous avoir invités. Je te laisse conclure le big. Je vais très rapidement conclure. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette masterclass. Merci à toi d'être venu. Merci aussi à Laurent d'avoir posté une vidéo. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à contacter chacune de ces personnes qui est venue. Je pense qu'on doit pouvoir les trouver sur Internet ou sur d'autres choses. N'hésitez pas à contacter aussi les personnes de chez BPI France si vous avez une problématique de change. Sachez en tout cas que voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour vous aider à être libre et à acquérir la liberté de pouvoir exporter et de pouvoir importer. Voilà. Bonne journée et bon big. Au revoir. Ça continue encore un petit peu. Ça va filmer encore un petit peu. Ça va filmer, mais par contre, on m'entend plus, c'est ça ? Ou si vous m'entendez peut-être. Et bien, bon après-midi. Alors, calme. J'ai jamais sur la même. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Non, c'est juste le guide, mais il a guidé beaucoup de fois. Bien passé.